C'était une bonne petite montée. Content que vous soyez avec moi aujourd'hui. Je vous emmène sur les toits de Paris parce qu'il y a beaucoup de questions auxquelles j'aimerais bien répondre. Et il y en a une particulièrement, c'est de voir un petit peu le matos que j'ai. Donc je faisais ça un petit peu dans les Z-Store. Et donc dans l'idée où je vais relancer vers mon patron, où je vais recréer justement toute la série Z-Store. Ouh, pardon, j'ai envie de souffler. On reprend notre souffle. Et voilà. Et donc en gros, je vais refaire la série Z-Store, les Day by Day, toutes les séries de l'époque que vous aviez adorées et en façon new gen, bien évidemment, meilleure qualité, meilleure stabilisation. Et justement, puisqu'on parle de stabilisation, je suis en ce moment avec mon nouveau stabilisateur, comme vous pouvez le voir là. Et maintenant, je vais vous présenter justement ce qu'il y a dans mon sac. Allez, bisous. Ah, coucou. Je vais en profiter pour vous montrer un petit peu le matos que j'utilise. Donc là, on a le Sony A6300. Avec un objectif 16-50, donc bien pratique pour faire des portraits ou même en vidéo. J'aime beaucoup le 16-50, il est vraiment pratique. J'ai le tripod Joby qui est vachement pratique parce que vous pouvez directement le négocier un petit peu dans toutes les positions, l'accrocher sur des barres, etc. sans forcément que ça vous prenne trop la tête et que ce soit carrément sécurisé. Donc très pratique. J'ai aussi acheté la petite housse de protection ici en cuir. On en trouvait très facilement pour pas cher hein, sur des petits sites. Et donc là on a le cache aussi qui est là, donc très utile pour se balader. Ensuite, yep, qu'est-ce qu'on a? Je vais vous présenter bien évidemment mon nouveau jouet qui est en gros le stabilisateur de chez Quantique. Et ce stabilisateur là en fait il est vraiment bien parce que en gros ici je voulais un stabilisateur qui soit vraiment polyvalent, c'est-à-dire qu'on a une partie exprès pour la GoPro avec un contrepoids fait justement pour les GoPro Hero. Et donc on a tout simplement rajouté la GoPro 6. Donc pareil pour mon nouveau joue, la GoPro 6, c'est celle avec laquelle je suis en train de vous filmer. On la bloque ici, ensuite on va caler ça là-dedans. Donc on le met bien jusqu'au fond et ensuite le stabilisateur se fera normalement. Il y a 4 modes, c'est super sympa. Vous le conseille si jamais vous cherchez vraiment un bon stabilisateur. Il fait aussi perche à selfie, c'est-à-dire qu'il y a le quatrième mode va vous mettre le stabilisateur vraiment en mode selfie, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment faire des stories pour Instagram et vous verrez sur le résultat de mes stories bien évidemment le changement. Donc voilà, ensuite bon bah un petit sac vraiment bien pratique, hein, classique, avec bien évidemment le petit trépied, la perche bien utile de chez XS Stories. Hop. Donc ça, c'est avec ça que j'ai filmé la plupart des 99% contrôle, c'est-à-dire qu'en gros j'accrochais la GoPro ici et je mettais Vine au-dessus de moi. Donc ça permettait vraiment une vue en plongée et assez vertigineuse en tout cas. Alors, et puis voilà, sinon téléphone, bon on en aura un meilleur. Hein. Sinon on a quoi d'autre? Batterie externe, je dirais. J'ai 3 batteries externes. On a toujours des problèmes de batterie en général. Donc 3 batteries externes comme celle-là, en plus elles sont pratiques quand je vais faire des explorations dans les catacombes ou autres. Et ben je peux me permettre de mettre de la lumière, donc c'est vachement pratique. Donc j'en ai 2, si je les cale comme ça, hop là, et celle-là. Au final là on voit pas forcément beaucoup, mais ça éclaire vraiment pas mal. Donc je sais pas si on peut trop voir, mais en tout cas vraiment bien pratique, sachant qu'il y a 2 ports de rechargement sur chaque. Et ça c'est nickel. Voilà, et ensuite bien évidemment, j'allais oublier. Voilà, le fameux, la fameuse attache GoPro, donc justement des lacets que j'ai créé. Et en fait, voilà, il ne faut pas oublier de coudre le lacet, bien évidemment. Donc toujours avec moi, avec sa fameuse lanière, de façon à ce qu'il ne tombe pas. Voilà. Sinon, à partir de là, donc il y a énormément de vidéos qui vont sortir. Il y en a beaucoup qui vont sortir. Il y a une énorme série de 101 toits, au total même 107, je crois, voire encore beaucoup plus, qui s'appelle la série des toits émeraudes. Et elle se déroule tout simplement dans Paris, évidemment. Cette idée m'est venue tout simplement parce qu'il y avait des toits en fait verts magnifiques que je voyais un peu comme des émeraudes éparpillées dans Paris. Et l'idée, ça va être de retrouver justement toutes ces émeraudes éparpillées, voilà, se constituer un petit trésor culturel et infographique. Voilà, de cette culture des toits en tout cas, et j'ai envie d'amener ça. Et bien évidemment, pour pouvoir m'aider, j'ai créé un Patreon. Donc pour voir cette série, il faut s'abonner pour 5€ par mois, donc c'est pas beaucoup. Justement, c'est l'idée que tout le monde puisse m'aider aussi là-dedans. Je vais évidemment acheter des petits goodies, des petits cadeaux à vous donner bien évidemment, et à vous faire gagner aussi peut-être un peu de matos grâce aux sponsors et grâce à vous, car je vais pouvoir faire justement ces vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker le Patreon, je vous mettrai le lien donc, juste ici ou juste là, ou de toute façon dans la description.
N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, partager. On se revoit très bientôt. Je vous fais des gros bisous sur les toits de Paris. Et qu'est-ce qu'on va faire? Allez, petit extrait de Les Toits Émeraudes. Allez, peace. À bientôt. Vous a plu, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Peace! Salut à tous! Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Peace!